En fait, je trouve un système pour pas qu'il me batte par terre, je suis capable de dormir. Alors, qu'est-ce que pour un champion, je me pose la question à gauche, crac, ça va pas avoir. Un peu alors, ce que moi j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais dormir debout. Je dors debout, hein. J'arrive à dormir sur 15% sur le Panasonic, c'est complètement délire. Je sais pas dans ce moment si je connais pas le Panasonic. Plus un héros, un flamant rousseau. Exactement, par rapport à ça. Et comme je suis... Attends, là, tu regardes Automoto, par exemple. Je fais attentif, parce que la dernière fois, ça prend pas du tout les couleurs des bagnoles et tout, les calandres. Par contre, là, ce qui prend Panasonic, c'est une question de motivation. J'essaie de garder un œil comme ça. Tout ça, tu gardes un œil comme ça ouvert, comme ça. Dans les voitures, tu vois, t'as carrément une profondeur de champ. Je si tu mets d'ailleurs un autre processeur, ben une amplification de brillance, le fric contraste extrêmement fort. Il a jamais pu m'arrêter. Par rapport à ça, c'est une question d'argent. Tu prends pas. Je te dis pas ça pour t'emboîter de l'argent, ça dépend ce que tu veux. Mais par rapport à ça, le profit, c'est chaque fois qu'il y a une garde à vue. Franchement, le progrès. Par contre, la dalle vieillit un petit peu. Je fais exprès de pas chier. Au bout de 10 ans, quand je fais une garde à vue, qu'est-ce qu'on fouille à l'aile ? On sera réussi par la fouille à l'aile. Pendant 10 ans, l'argent, je l'aurai. Donc les 4 000 euros sont complètement remboursés. Et ça dépend des organismes de crédit, parce que si tu prends à 3-4% le Panasonic, tu peux l'avoir un peu plus cher, certes, mais tu peux avoir ton crédit pendant plus longtemps. Tu comprends l'importance de la chose. Et le Saran, on a beau dire, toi t'es encore au Dolby Stereo, mais le Saran, c'est un truc qui vraiment circule complètement. Comment ça s'appelle jusqu'à 23+1 23+1 du 30. Comment ça s'appelle le mec qui part, tu sursautes sur une boîte, le mec est derrière. Alors l'image est devant, derrière. C'est flamant rose, c'est pas un flamant rose. Qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un derrière? Ah bah non, je suis en Saran, c'est très surprenant. C'est des oiseaux qui sont dans le fond de l'Afrique. Parce que les gens sont Papa, mais comme toi, mais un vieux, on avait le vieux l'oiseau dans le plasma, ça sort tellement c'est bien fait. Je me souviens pas, la prix du shopping, de toute façon, t'avais dit, tiens, regarde-le, il va se péter, il s'était pété la gueule, l'oiseau. Pour se payer un plasma. Mais c'est plus ces oiseaux-là que les oiseaux qu'on voit dans les jardins. T'as des LG qui sont plus plats, et c'est pour ça que c'est la technique LGD. Alors que le vrai plasma, le contraste est meilleur. Parce que là, le home vidéo, tu peux le faire. L'image est toute molle. Je muscle pas les deux jours. Ça dépend ce qu'on regarde. J'ai tendance à un champion, même si c'est mou, c'est pas terrible. Ça, je te l'accorde. Par contre, automoto, si c'est mou, tu vois pas les bagnoles. Pas les Mercedes, pas les Canal. Tu vois, c'est important, c'est que si le son circule complètement, et ben soit t'es content, t'en sauras, t'es parfait. Tu comprends par rapport à ça? C'est juste une question d'argent. Mais entre 13 000 et 15 000, la différence, elle est pas, franchement pas énorme. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Moi, de toute façon, l'argent, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas. Si se passe par l'organisme de crédit, je vais l'avoir. Tu comprends? C'est rien, c'est 3-4% de majoration, pas plus. Et franchement, vu le son qui circule, ça vaut le coup.